Dans le but d'assurer une large sensibilisation de la population et particulièrement la jeunesse contre la corruption, l'ORICOM, en collaboration avec le gouvernement, a organisé un concert pour sélectionner une meilleure chanson de lutte contre la corruption. C'était ce 7 décembre à Bujumbura. L'objectif de l'ORICOM est de conscientiser la population burundaise à la lutte et à la prévention contre la corruption. Ces activités rentrent aussi dans le cadre de l'ORICOM de la préparation de la Journée internationale de lutte contre la corruption célébrée le 9 décembre de chaque année. Le président de l'ORICOM a d'abord remercié tous les artistes qui ont participé dans ce concert. Il a également fait savoir que la célébration de la Journée internationale contre la corruption est plus mondiale pour le pays en particulier et la communauté internationale en général. Le thème choisi de cette année au Burundi, tous contre la corruption électorale. Pour participer à ce concert, les artistes devraient remplir certaines conditions, surtout au niveau de la composition de leurs chansons. Parmi 60 artistes qui se sont inscrits, 10 meilleurs artistes ont été sélectionnés. Après délibération, 3 artistes ont été sélectionnés pour participer aux activités du décernement du prix Ernest Manirumba qui aura lieu ce 9 décembre 2014 à Bujumbura. Vous saurez que c'est Issa Jamari alias Yoya qui a été élu meilleur chanteur dans son concert. Dans sa chanson, Wiyumva Gute Mukozi wa Leta Ikebuke, avec une enveloppe de 500 000 francs burundais. Le deuxième prix, avec une enveloppe de 250 000 francs. Et enfin, le troisième, une enveloppe de 80 000 francs burundais. ORICOM a profité de cette occasion d'inviter la population de Bujumbura et ses environs de venir nombreux ce mardi 9 décembre 2014 à 15h à l'hôtel Ego Hotel assister les cérémonies de décernement du prix Ernest Manirumba.